précisément alors qu'elle était la grandeur de leur père. Le Rav Raphaël Pinto est-il parmi nous? Baruch Abba. ברשות הרבנים, ראש ישיבה רב נתן, רב אדנר, כל הרבנים, לבופרר, לפמי, on m'a demandé de parler pas parce que je suis rabbin, je ne suis pas rabbin, parce que Rabbi Yosef et moi, on se connaît à peu près depuis, j'ai essayé de compter, j'ai arrivé à 30 ans. Depuis qu'on se connaît, il n'y a pas un jour depuis 30 ans qu'on ne s'appelait pas. Si on ne s'appelait pas parce que j'étais en déplacement quelque part, il me criait le lendemain, il me cherchait partout jusqu'à qu'il arrivait à me joindre. Il m'écriait, on dirait qu'est-ce que j'ai fait parce qu'on ne s'est pas appelé. C'est-à-dire qu'il connaissait sa vie de A jusqu'à Z, et moi je connaissais sa vie, tous les détails, tout ce qu'il faisait. On était très très proches. Au moment que ses enfants ils se sont mariés, il voulait que j'ai choisi les gendres. Il me disait, c'est toi que tu vas choisir les gendres. À chaque fois qu'on était un gendre, il venait à la maison. Il voulait que je lui parle, et après il fallait que je donne des comptes à Rabbi Yosef. Et beaucoup de choses comme ça, mais... Des histoires sur Rabbi Yosef, il y a beaucoup, Baruch Hashem, mais je peux raconter pendant des heures. On dit, le papier, on peut le finir, mais les histoires, ils ne se finiront jamais. Alors, je vais raconter une parabole, et de cette parabole, on va comprendre c'était qui Rabbi Yosef. Ce n'est pas une vraie histoire, c'est une parabole. Une mère, une veuve, elle avait son fils qui avait 9 ans, et cette femme, elle n'avait pas d'œil. Et à l'époque, quand quelqu'un n'avait pas d'œil, aujourd'hui on peut mettre une bille, quelque chose pour cacher, on laissait le trou comme ça et ça a coulé. C'était sale, c'était moche. Et le fils, il était méchant comme les enfants, ils font pas ça méchamment, mais ils ne comprennent pas. Maman, c'est dégueulasse, je ne veux pas manger avec toi, je ne veux pas m'asseoir en face de toi quand je mange. Il était très méchant avec elle. Maman, je ne veux pas que tu viennes à l'école, je ne veux pas que mes camarades à l'école, ils savent quelle mère j'ai. Il faisait beaucoup, beaucoup de mal à sa mère, et les années passent, et la mère, elle pleurait dans son cœur, parce qu'elle n'avait personne au monde. Elle n'avait que ce fils-là, son fils, il est mort, et son mari, il est mort, et que ce fils-là, c'était le seul au monde. Et elle lui parlait très mal, mais la mère, elle avalait tellement, elle aimait son fils, elle avalait, elle faisait tout ce qu'il voulait. Les années passent, il arrive en troisième, il fait des problèmes à l'école, la mère, elle est convoquée par le directeur, et par malheur, c'était au moment de la récréation. Au moment de la récréation, quand elle rentre, tous les élèves voient cette femme, ils disent, il y a une sorcière, elle n'a pas d'œil. Et le fils, quand il a entendu ça, il s'est retourné tout de suite, il a vu sa mère, il a couru vers sa mère, il a dit à sa mère, ce soir, c'est ta fête. Et la mère, la pauvre, elle avait tellement peur, elle pleurait dans son cœur, le sang, il coulait, mais elle s'est tuée, elle est rentrée vers le directeur. Elle a fini, elle est rentrée chez elle. À 5 heures, son fils, quand il rentre à la maison, il a tout cassé à la maison, il a fait un grand scandale à sa mère, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as fait honte devant tous les amis. On va voir que les années passent, il finit ses études avec brillance. Il a eu son bac avec mention. Il a eu une promotion par l'école de voyager aux États-Unis, continuer ses études. Là-bas, il réussit dans ses études, il devient directeur d'une banque. Il envoie un courrier à sa mère. Maman, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille juive. On va se marier bientôt, mais je te demande ni vers pas mon mariage. Je ne veux pas que ma femme te connaisse. J'ai honte de toi. Et la mère, par amour pour son fils, elle a accepté. Il se marie sans sa mère, les années passent, il a un garçon, Brit Mila, maman j'ai un garçon, mais je te demande de ne pas venir à la Brit Mila, parce que j'ai honte de toi, je ne veux pas que la famille de ma femme te voie. L'opinion, les années passent, après il a une fille, et les enfants grandissent, et les années, et la mère à la fin, elle a dit, y'en a marre, je vais aller voir mon fils, elle prend un billet, elle va voir son fils, et elle toque à la porte, et c'est le petit garçon qui ouvre la porte, il voit la femme, son œil, il crie à son père, papa, papa, il y a une sorcière. Et le papa, quand il a entendu ça, ça lui a rappelé, il a couru vers la porte, il a vu sa mère, il s'approche, il lui dit dans l'oreille, maman, pourquoi tu m'as fait ça? Maman, pourquoi tu m'as fait ça? La mère, quand elle a entendu ça, elle n'a pas répondu, et la femme, elle arrive, et était à son mari, c'est qui? Et la mère, elle le pas, elle dit, non, je me suis trompé de bloc, c'est pas ici, c'est l'autre bloc. Et le fils, il ferme la porte sur sa mère, il cherche à savoir où elle va dormir, où elle va manger, comment elle va faire. Il ferme la porte, et il continue sa vie. Et la mère, elle rentre chez elle, les années passent. 2 ans après, ils reçoivent une lettre de l'école. Ils vont faire la fête de fin d'année. Ils font appel à tous les élèves qui ont une promotion, voyager dans le monde, qui viennent témoigner. Et lui, il dit, bon, en même temps, c'est une occasion d'aller voir ma mère. Il prend un billet, il voyage. Il n'a pas réservé d'hôtel, évidemment, il va dormir chez sa mère. Il toque, personne ne répond, il toque fort, personne ne répond. Il y a la gardienne qui ouvre la porte, il dit, qui c'est? Il dit, c'est moi, David.
Alors il dit, oh David, viens, descends, j'ai quelque chose à te donner. Lui, il descend, il lui dit, assieds-toi, il dit, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à te dire. Il y a 2 semaines, ta mère, elle était très malade, elle était à l'hôpital. On n'avait pas les moyens, elle n'avait pas d'argent pour payer, on a cotisé tous les voisins. Et on a payé l'enterrement, elle est morte, mais elle t'a laissé une lettre. Elle savait que tu vas venir pour la fête des fins d'année parce qu'elle a donné son adresse. Lui, il prend la lettre, il marche dans la rue, il fait couler quelques larmes, et dans la lettre, c'est marqué comme ça. Cher fils, jamais tu m'as demandé comment papa a quitté ce monde-là. Mon fils, jamais tu m'as demandé le mon œil. Alors je vais te raconter ce qui s'est passé. C'était à Hanouka. C'était en hiver, il pleuvait. On devait allumer les bougies chez Pépé et Mémé. Et papa a roulé très vite. Il a fait un accident. Il est mort sur le champ. Moi, ta mère, je suis sorti indemne, mais toi, tu as perdu ton œil. À l'hôpital, je demandais au médecin, est-ce que c'est possible de m'enlever mon œil pour qu'on puisse te donner, pour que tu puisses voir le monde avec les 2 yeux, pour que jamais tu auras honte de personne, que tu n'auras pas honte de ta femme ni de tes enfants, mon fils. Alors fais attention à mon œil, mon fils, protège-le bien et essaie de profiter bien de ta femme et tes enfants. Ça, c'est la parabole. Rabbi Yosef, c'était exactement. Je peux raconter des histoires intimes, pas intimes, il me racontait tout. Rabbi Yosef, quand il fallait aider quelqu'un, c'était pas de l'argent, c'était pas sa chemise, c'était son œil, c'était son rein, c'était ses yeux, c'était sa santé. C'est ça Rabbi Yosef. Et c'est pas de mensonge, on n'a pas le droit de mentir, c'est assaut. Tout ce que je dis, c'est la vérité. J'ai vu avec mes propres yeux des choses extraordinaires qu'un homme ne peut pas faire. Il n'y a qu'un ange qui peut faire. Rabbi Yosef était un ange qui a vécu ici sur terre pendant 63 ans. Il a fait son devoir et il nous a quittés. Il nous a quittés, mais je suis sûr et certain qu'il nous surveille dans... Au moment qu'ils ont lavé le corps, j'étais devant la porte. Tous les gens qui sortaient, ils faisaient condoléances. Ils me disaient, Raphaël, comment tu vas faire sans lui? Chaque fois, quand on le voyait, on te voyait. Tout le temps, on était ensemble. Et je n'ai pas réalisé au début. En rentrant chez moi à la maison, quand j'ai allumé chassidut.org et j'ai vu sa photo, là, j'ai commencé à pleurer. Jamais j'ai pleuré de ma vie. Mes enfants, jamais ils m'ont vu pleurer. Une seule fois, j'ai pleuré quand j'ai perdu 3 enfants qui sont nés, qui sont morts à la prête. Mais là, j'ai pleuré. Il y a 21 années. Mais jamais depuis, j'ai pleuré. Le seul moment que j'ai pleuré comme un bébé devant ma femme et mes enfants, c'est quand j'ai commencé à réaliser, 3 heures après, que Rabbi Yosef, il n'est plus là. Alors, j'aimerais dire quelques mots que David Amelech a dit sur Yonatan. C'est en hébreu, je parle mal le français, j'ai pas pu traduire, j'ai préparé ça il y a quelques minutes. Mais les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur et j'ai fini avec. Atzvi Israël, alba matecha halal, ech nafal gibor, anayavim va anayamim, bechayahem uvnotam lo nifredu, ech nafal gibor, alba matecha halal, tsar li alecha Yosef, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפל גיבור? אחי יוסף, אחי יוסף, מי ייתן מותי אני תחתיך? מי ייתן מותי אני תחתיך? כג'ור אותו סונה מעומפה בעזרת השם.